Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Massive Chalice. On se retrouve toujours en live, n'hésitez pas à passer sur le Discord ou à suivre sur les réseaux si vous voulez voir la suite de ces aventures en live. Et rebonjour Canton, on va lancer notre petite timeline et faire passer le temps. Je rappelle qu'on a encore 238 ans à tenir. Heureusement, on a des bébés. Ah, on a quelqu'un qui décède de vieillesse à 60 ans. Il nous reste encore elle, lui d'ailleurs en l'occurrence. Alors est-ce que ça vaut le coup de mettre quelqu'un? Non, pas vraiment. On va devoir faire 100. On va garder nos personnages pour les mettre dans le prochain fort. Alors, Kieran Arandir est de retour, mais sans le rôle d'illumination que vous espériez. Mouais, quand ce type parlait de lien avec la corruption, il veut dire fixer ses couleurs immondes suffisamment longtemps pour oublier qui on est et où on est. C'est dit, je dois reconnaître que c'est assez apaisant d'observer une vague de bouillie démoniaque qui s'approche pouce par pouce, ça donne à réfléchir. Il gagne clairvoyant, enfin un truc positif. Qu'est-ce que ça fait clairvoyant? Rebelle, perspicace, apathique, clairvoyant, intuition accrue, c'est cool, force douce, tendance à avoir des enfants, ah il est dommage, elle a une fertilité médiocre. Elle, je pense qu'elle va finir dans un fort quand même. Parce que probablement que ça serait un personnage très utile à mettre là, ouais. Mais est-ce qu'on peut sacrifier un bastonneur avec autant de bonnes compétences? Il a quoi notre autre bastonneur? On va regarder un peu ce qu'il fait de beau. Malheureusement on peut pas vraiment choisir si on vieillit ou pas, c'est un peu la tristesse. Il a loup solitaire lui, il est vigoureux, force douce, oh il est pas si mal, il est pas si mal. On va donner sa charge. Ici, on va donner le tir de fiole. Là, le jet franc. Pas de points, pas de points d'action, c'est quand même pas mal. Alors, c'est vrai que vu qu'ils ont que 5 munitions, ça va assez vite de les consommer, mais bon. Deux attaques par tour, quand on voit les mecs en face, ça fait quand même plaisir. Hein. Goué de vieillesse enragée. Pour faire vieillir un héros, l'épaisseur stimule avant tout la taille de ses muscles. Voyons en recherche, nous pourrons créer un magistère entre un tempérament et une force immense au prix d'un vieillissement de quelques années. Alors non. Les sous-vêtements sont le dernier rempart face aux éléments. Attends, on en a tué 10 dans la mission quand même quoi. Une protection contre les effets de vieillissement du plisseur et d'amnésie du manqué. Ça c'est bien. Ça c'est très très bien ça. Ça c'est hyper bien ça. Ça, ça va être une priorité. Ah, il faut 9 ans pour finir ce fort. Ouais, ben du coup, vu que l'autre est bien, on va foutre le 13 là. Là. Ouais, 25% de bonus de recherche. On gagne un an. Plus d'un an. C'est parti. Un docteur vous réveille. Pardonnez-moi une de vos régences. Sigrid est père. Était la capitale aujourd'hui de rendre visite des jardins. Sigrid a perdu les os. Nous avons tout fait pour que le BMS n'y ait eu des complications. Je ne peux pas sauver deux. Quand j'ai dit à père, il est sorti en courant de la chambre. Je ne savais pas à qui d'autre demander. Sauver la mère, sauver l'enfant. Alors la mère c'est la régente, d'accord. Ah c'était notre chasseur en plus. On va tenter de les mettre dans le calice. En entendant les pleurs sortant du calice, père rentre dans la pièce au moment où le bébé naît. Père appelle une voix. Voici Nifram, portant son enfant, Sigrid apparaît par-dessus le haut du calice et s'assoit sur le bord. L'enfant et elle resplendissent de santé, le docteur ne trouve pas ses mots, c'est un miracle. Mais oui, c'est le calice. Alors Sigrid gagne généreux. Ok. Et elle, elle naît avec le trait vigoureux. Parfait. Et généreux, ça fait quoi? Plus de chances d'avoir des enfants. Ben, c'est encore mieux. Ah ben, ça fait du bien de petits événements positifs à la suite, là. Et salut PM, bienvenue sur le live. Comment vas-tu? Des bébés, donnez-nous des bébés. Plein de bébés. Encore des bébés. Des bébés, c'est parfait. On va terminer ce truc là. Merde. Une attaque. Ah, une attaque à deux endroits qui sont déjà corrompus. Ça, c'est chaud ça. Alors, ici on a quoi? Graines, remparts et des berceaux. Je connais pas les berceaux, mais le nom ne m'envoie pas du rêve. Ouais, sacré calice, Canton, t'as raison. Et ici on gagne un bastonneur de sexe masculin. Bah, on va plutôt aller là, du coup, niveau 4 en plus. Et ici on va avoir deux points de corruption, faudra qu'on y aille une prochaine fois. Mais c'est ici qu'on a notre fabrissage et cette zone on peut pas la perdre, il y a un bonus de recherche en plus donc... Ah du coup c'est ça, elle a...
elle a son équipement élite du coup. Et donc l'armure, on peut lui mettre l'armure. Deux d'armure. Bah oui, go. Pourquoi s'emmerder? Tu prends. Et alors du coup, l'autre qui a la relique, c'est toi. Oh putain, ça envoie du rêve cette relique. J'aime beaucoup ce design. Je sais pas, Canton, peut-être que les berceaux c'est l'inverse des plisseurs, ou peut-être que c'est encore plus une saloperie, j'en sais pas, peut-être qu'il tue les bébés, ou... Alors on a quoi déjà là? On a un bastonneur, on a deux tireurs, il nous faudra un deuxième alchimiste, hein, ou un truc dans le genre. Ici on a un art-tireur level 3 de 15 ans, non c'est pas un art-tireur qu'il nous faut, il nous faudra un alchimiste ou un frappaboum. On va peut-être prendre lui. Ou toi. T'as un petit bonus d'intelligence mais t'es quand même assez con, faut dire ce qui est. Alors t'es noceur, ça fait quoi? Souvent sous avec la gueule de bois, ce héros boit un peu trop souvent. Ah oui, il va être bourré sur le champ de bataille, ouais. Parfait. Bon, du coup, on va plutôt prendre ça. Alors, est-ce qu'on a de... Non, il est nerveux. Non, on va certainement pas le prendre. On va faire un petit tour de tout ce qu'on a pris. Toi, t'es stérile, force 12, vigoureux et rusé. Bah, on va te prendre toi, du coup. Par contre, est-ce que c'est toi qui étais nerveux? Ouais, c'est toi qui étais nerveux. Donc, toi, tu vas dégager. Parce que c'est bon, on peut pas embarquer quelqu'un qui fera rien de la bataille. Et du coup, on va prendre un autre alchimiste. On va lui mettre une armure de carapace instable. Deux d'armure, c'est quand même pas mal hein, par rapport à zéro. Et on est parti. Alors la question qui se pose après, c'est que c'est une armure explosive. Ça se trouve, elle fait des dégâts à l'alchimiste aussi, ou à ses potes s'ils sont autour. Enfin, ça se trouve, c'est un vieux piège. Hein. Mais bon. Alors, un héros a raté son apprentissage. Ok. Éliminer toute la cadence. On voit déjà un rempart. Toc toc toc, ouais ils sont classe quand même les... Bon ça encore à la rigueur c'est pas particulièrement classe, c'est joli mais voilà. Mais alors j'avoue que celle-là ça donne pas envie de se prendre un tir. Hein. Alors du coup, on est capable de tirer sur ce rempart. Déjà on va avancer un peu pour se placer, ouh, on est capable de le toucher d'ici. C'est bon ça. 28 à 32 de dégâts. Et toi tu fais combien? 12 à 17. Alors on va prendre hein. Si on le touche, c'est quand même sacrément cadeau quoi. On le touche pas. Et salut Squash Belge, bienvenue sur le live. Et bah du coup, bonne course j'imagine. Est-ce que si je me mets là il va me voir? Là pour l'instant je pense qu'il m'a pas détecté, donc on va rester prudent. On peut avancer un petit peu en étant furtif. Gagner une case, pourquoi pas. Toi tu te caches, toi tu restes ici. Ah ils sont deux, ah il m'a vu. Lui il m'a vu par contre. Et l'autre il se barre. Très loin. Ok. Ah il y a un truc derrière. Qui essaie de se frayer un chemin. Parfait. Alors du coup, 71%. Oh c'est propre ça. On va pas y aller en furtif, on va venir là, voir ce que c'est. Ok, il est là, planqué, mais on le voit pas. Il faudra que je vienne ici pour le voir. Oh, c'est une petite graine, ça va. Ça va, une graine, on peut gérer une graine. Par contre, faut trouver un endroit où pouvoir le taper. Ici, par exemple. Voilà. Profitez, hein, ça fait un tir relativement cadeau. On va avancer un peu avec lui, voir si on peut repérer l'autre. Pour l'instant, non. Ici, pareil, on va se recentrer. Il est sous, hein, parce que voilà. Ouh, qu'est-ce que c'est que cette grosse saloperie? Un berceau. Bon bah voilà, tu sais, Canton, c'est pas l'inverse des plisseurs, c'est sûr qu'il... c'est juste qu'il t'invoque des saloperies dans la tronche.
Par contre, visiblement, il a très peu d'esquive. Et ça, c'est cool. C'est pas la première session squash. On a fait déjà une petite session ce matin. Mais bon, pour être honnête, il y a personne qui est passé sur le live à part Zikino tout au début. Et il pouvait pas rester. Donc du coup, c'est la première vraie session de live, on va dire. Va falloir qu'on le défonce, lui. Donc on va profiter qu'on est pas très loin, je pense, pour venir taper sur celui-là direct. Si on le finit, c'est fait. Ok. Et alors là... on a un tir de recul, pourquoi pas, ça fait franchement pas beaucoup de dégâts. On n'a pas beaucoup d'endroits où le repousser, bon là il va devoir faire un grand tour donc ça m'inquiète pas. Allez, on va commencer à faire du dégât, 20 de dégâts avec l'arbalète épique, ça fait plaise. Est-ce qu'on utilise des fioles pour ça? Peut-être une au moins. En sachant qu'il est sous, 60% de chance à rater. On va rester derrière avec toi. Ok. Ici, il essaie de casser ça. On sait qu'il y a un rempart ici, mais c'est pas très grave. Alors lui, est-ce qu'il invoque une saloperie à chaque tour? Visiblement oui, il attaque pas du coup. Bon, c'est supportable parce que au final... on peut en tuer un à chaque tour, ça va. Là, ça va peut-être être un peu plus compliqué. En plus, ça a une sacrée portée. Alors, du coup, on va se placer par là. Parce que j'aimerais bien ici pouvoir repousser. Voilà, comme ça, au moins lui, il est étourdi, il nous emmerdera pas pour ce tour-là. On va pouvoir se concentrer sur finir lui. 80% de chance et on rate. Mais oui, monsieur! Tout à fait! Bah, va falloir qu'on se tente une fiole de nouveau parce que... parce qu'on se rate. Va falloir qu'on utilise notre arme secrète, c'est ça? Parce que bon, c'est sûr que s'il commence à y en avoir deux ou trois qui balancent des saloperies dans notre tas à chaque fois... Ah, et en plus ça en laisse derrière quand il... Ok. Très très bien. Parfait. T'as droit à une deuxième attaque. Bah go. On a déjà plus beaucoup de trucs, mais bon. J'ai beaucoup de munitions, il va falloir qu'on se calme un peu, mais il y a du monde, hein. Bon, lui, tant qu'il tourne en rond, il nous arrange pas. Va falloir qu'on se concentre sur celui-là, par contre. Eh ouais, squash belge, surprise, exactement. Je suis sûr que tu es très très content. Hop. Donc on va utiliser les attaques au corps à corps de eux, là, pour se débarrasser des petites graines. Et on va utiliser les tireurs pour essayer de nettoyer la saloperie plus loin. Elle est contre quelque chose, donc on pourrait la repousser hein, pour le coup. On va s'approcher avec toi. Plein de graines. Beaucoup de graines partout. Mais bon, ils sont obligés de passer par là pour l'instant, donc c'est supportable. Bien sûr, il faut qu'on les touche. Ça, c'est un grand classique. Sinon, ça marche pas. On va tenter le tir de recul, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais si on touche, ça peut être pas mal. Mais on touche pas. Toi, tu vas te placer là pour éventuellement pouvoir taper sur des gens, mais va t'arrêter du coup. Ah, il y avait un rempart planqué. Alors ça, c'est la merde. Maintenant qu'il nous a vu, c'est un peu la merde. Ah, j'éprouve beaucoup de plaisir, Squash, hein. J'aime beaucoup ce jeu, franchement, encore merci de me l'avoir offert, hein, puisque je le rappelle, vu que pas grand monde n'était là quand je l'ai dit, mais c'est Squash qui m'a offert ce jeu. Et c'est franchement très très sympa de sa part. Je l'aime beaucoup. Alors, on pourrait venir là... Alors il doit être ici. Ah merde, il est trop loin, attends, je suis trop loin d'une case. 10-16 de dégâts, c'est pas si mal, si toi t'y vas, tu peux pas y aller du coup.
16 de dégâts. Et on lui met. Ouais. Beauf. Lui, il faut le diminuer. Là, du coup, on va. Plutôt toi. Vas-y, cogne. Un petit niveau, c'est cool. Donc toi tu t'as touché. Toi t'as touché, on peut plus faire le tir de recul, c'est bien dommage, mais on va essayer de faire du dégât au moins. 21, c'est parfait, un petit critique. Et là bah du coup on va mettre un coup hein. Ouh, le 23 qui fait plaise. Ah ok, là j'avoue. C'est agréable. Toi tu vas te mettre jusqu'ici. Il y a une graine qui est là qui va pouvoir s'infiltrer, mais bon, on va encaisser. Alors, on va se prendre un tir qui rate. Et ça, ça fait plaise. Alors l'intérêt, c'est qu'ils vont pouvoir, ils vont devoir se mettre un petit peu en tas ici avec un peu de bol, pour pouvoir caler une fiole efficace. Ouais, ils pètent le truc derrière sa maman, dommage, je vais plus pouvoir le repousser. C'est bien dommage ça. Alors il s'éloigne, je vais même pas pouvoir mettre ma fiole. Toi, démonte-le. Voilà. Ici normalement je peux le toucher hein. Parfait. Toi, 90% de chance, on va pas se priver. Et ici, si vous pouviez me terminer ce corneau-là. Non, c'est pas au programme. Ouais, il va leur falloir des lunettes hein. J'ai l'impression que globalement ils ont un petit peu de mal. Voilà, il va nous en balancer une autre et normalement il y a une graine qui va revenir. Ah, ça a échoué. Ce truc peut avoir une chance d'échouer. Ok, intéressant. Bon, nous aussi, mais voilà. On avait le temps de commencer à avancer un peu, je pense. Toi, t'as perdu un PV, tu peux te permettre d'avancer. Peut-être te pouvoir te permettre une petite flèche explosive là-dedans, là. 75%, ça se vaut. Oh putain. C'est ouf. Oh, je sais plus quoi faire. Allez, toi, viens ici tanker un peu. De toute façon, t'es à portée de personne. Ici, on va passer le tour. Toi, tu vas t'infiltrer également. Bon, là, on va prendre quelques coups. Hein. Bon, ça va, hein. On peut supporter. Non, je trouve que l'IA, franchement, elle est... Ah ! Elle est plutôt très très efficace, hein. Elle se sert du terrain, quand il y a des trucs explosifs, elle essaie de les faire exploser. Non, franchement, personnellement, je trouve qu'elle est plutôt douée, l'IA. Au contraire. Allez, là, fais-nous un coup d'éclat. Très bien. Bon, toi, t'as un peu pris ta fessée. Toi, si tu pouvais réussir à toucher... Bon, alors le finir, ça aurait été bien, mais on peut pas tout demander. Ok. Pile poil un PV. Pile poil 2 PV en coup oblique, ça va. Du coup, on va pouvoir se permettre une petite potion avec toi. Tu vas avancer. De toute façon, le chemin est bloqué devant, donc t'es protégé. Et tu te prends une popo. Et là, ça vaut franchement pas le coup de mettre une fiole dans la tronche. On va y aller à la main. Voilà. On va se prendre quelques attaques, mais rien de... Enfin, j'espère, rien de fou. Sachant que les graines peuvent se soigner quand elles attaquent, donc bon. Allez. T'es devant, donc tu tapes. Toi pareil, t'es devant, tu vas taper. Des autres derrière, on va les faire avancer. Donc, pour l'instant, on sait qu'il y a un rempart tout là-bas. Qui fait sa vie. Mais on sait pas du tout ce qu'il y a d'autre. On va avancer un peu par là pour voir, mais ça se trouve il y a rien. On a quand même déjà nettoyé deux berceaux hein. Ah, il y a un rempart là.
Parfait. Alors, est-ce qu'on peut mettre quelqu'un qui pourrait éventuellement le voir? On pourrait se mettre là. Oh, ça c'est pas mal. On a la charge avec toi? On a la charge avec toi. Pourquoi pas? On va peut-être pas se servir de ça pour faire des dégâts par contre. On va plutôt utiliser ta dernière fiole. Parce que si elle passe, elle va faire mal. Parfait. Et là du coup, une charge. Voilà, il est étourdi. C'est pas mal. De toute façon, on n'avait aucun moyen. Ah si, ici je peux trouver un angle pour la voir. C'est parfait ça. Allez, go. 9 de dégâts, c'est toujours ça de pris. Toi, tu vas te rapprocher parce qu'on va clairement se les faire à la main. Et toi, il n'y a pas moyen d'avoir un angle, donc tu vas te rapprocher aussi. Ah. Il y a des trucs qui bougent là-bas. Ça y est, il se met à vouloir faire des attaques. Les trois petites saloperies. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser une fiole? Je suis pas convaincu. Voilà, parfait. Un de moins. Toi, t'es beaucoup trop loin pour aller faire quoi que ce soit, mais tu vas te rapprocher. Et là, on va tenter un tir de recul sur lui. Parce que si on le recule bien, on peut étourdir l'autre. Parfait. Parfait, ça. Ah. D'autres graines qui arrivent. Alors, c'est clair que s'il y a les berceaux, quand on les voit pas, ils invoquent de la graine en boucle. Ça peut être compliqué, hein. Tu vas mettre un petit coup de griffe, voilà, et on va se diriger tranquillement par là, n'est-ce pas? Pas trop vite, voilà. Il nous a pas vu, il s'est pas tourné vers nous, donc on va rester prudent. Hop, tu vas attendre, toi aussi. Ah! Ah la vache, mais il y en a combien des ennemis quoi? Ah, il nous avait vu en fait. Il tire sur son pote pour nous toucher. Bon, admettons. Du coup, ça va déclencher sa carapace, mais elle va disparaître tout de suite. Là, on n'a plus de fioles et de toute façon, ils sont normalement juste pile poil hors de portée, hein, c'est ça, ouais. Même si on tirait ici, on les toucherait pas tous les deux. Du coup, ici, on va faire entre 19 et 23 de dégâts, c'est pas mal. Donc on pourrait faire 10, 12, 17 là, go, raté, parfait. Est-ce qu'on le repousse? Non, je pense pas. Hein. On va se mettre là pour pas être complètement dans l'angle. Repousser, ça fait peu de dégâts, il n'y a rien sur le quoi le repousser. Lui, éventuellement, on pourrait le repousser. Ouais, ça c'est bien par contre. Enfin, faut le toucher, mais... Ok, normalement on l'a étourdi. Ouais, j'ai l'impression qu'il a la petite oscillation là. Ouais, il est étourdi. Ok, donc lui c'est bon pour ce tour-là. On va pouvoir essayer de s'occuper de celui-ci. Donc toi t'as raté ton attaque déjà. Toi tu fais 10-16 de dégâts. Toi 10-14. Toi 11-14. On va tenter le coup critique, hein. 14, bon bah c'est pas si mal. On va faire moins 1, c'est toujours moins 1. On va se mettre un petit peu séparés, comme ça on n'est pas trop alignés. Là je pense qu'il a moyen de nous toucher tous les deux s'il tire. Ah non, il se met là et il nous rate. Ça c'est bon ça. Ça fait plaisir quand ça se passe comme ça. Allez, bim. À ton tour. Ok. Bien, 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 bien. Pour l'instant, nos reliques se comportent pas trop mal. On va se regrouper. Toi, t'as joué. Toi, tu peux courir
Jusqu'ici, c'est pas mal. Toi, tu fais rien de plus. Bon, on sait qu'il reste encore au moins un rempart. On va avancer en cacher un bon coup pour voir. Ok, donc on sait qu'avec les autres, on peut avancer au moins jusque là en sécurité. C'est plutôt pas mal. Enfin, en sécurité. Relativement en sécurité, n'est-ce pas? Ok, ici on va pouvoir tirer. On prend. Parfait, ça c'est fait. Alors il y a peut-être un berceau qui traîne. Les reliques, ouais, c'est les armes. Les héros. elle là, on pourrait parler de reliques à 56 ans, mais ça va. Mais oui, oui, c'est les armes en fait. Quand un héros arrive level 4, je crois que c'est 4, et qui décède, il peut laisser son arme derrière lui en relique et la léguer aux autres personnes de sa famille. Et du coup, bah déjà, elle a un design un peu plus classe. Ça, c'est la relique qu'a cette personne-là. Et si on prend l'autre alchimiste, voilà, ça c'est l'arme de base d'un alchimiste, quoi. Pareil, ça c'est l'arbalète de base. Bon, il est caché, on voit pas trop, mais l'arbalète de base, bon, ça ressemble à une grosse arbalète d'épaule, quoi. Alors qu'on a une relique arbalète, là, qu'on a débloquée, qui fait un peu plus... voilà, quoi. Et donc, en fait, si on les équipe avec des personnages et qu'on les fait, les utiliser, les reliques montent de niveau, comme les personnages, et on peut les transmettre de génération en génération, pour faire de plus en plus mal, quoi. Pour qu'elles soient de plus en plus efficaces, etc. Ici, on va le stun, lui. Hop, voilà, on fait pas beaucoup de dégâts, mais au moins il est stun. On va pouvoir taper avec tous les autres. Même si c'est que un de dégâts, hein, ce sera un de dégâts. Voilà, bim. Bim. Et toi, viens ici. Et raté. Tu fais 19-23, si tu touches il est mort. Ok. Alors, il en reste un dernier. Non, c'était le dernier, ok. Parfait. Bon, grosse mission. Avec les plisseurs d'avant, c'était probablement la deuxième plus grosse mission que j'ai faite. Bon, 1200 XP pour lui pour les éliminations, ça fait plaisir. Les berceaux, c'est bien aussi, hein, parce que ça booste l'XP. On va pas se mentir, ce genre de monstre peut être chiant, mais également très très rentable. Et d'ailleurs, le live, ça va, niveau lag et tout, la connexion, ça le fait. Donc là, ils sont pas contents parce qu'il y a deux niveaux de corruption, mais bon, bah, fallait choisir, hein. C'était soit deux niveaux de corruption ici, soit deux niveaux de corruption là, et là, clairement, la guilde des fabrissages, on peut pas la perdre. Alors qu'ici, le fort en construction, avec le bonus de dextérité, c'est chiant, mais ça va. C'est acceptable. Bon, c'est cool, hein. Je suis content parce que j'avoue que j'anticipais un petit peu. Alors, on pourrait partir sur l'armure d'os. Ici, on a un lance-pilier. L'image du berceau qui doit être rapidement des graines, nous pouvons développer de nouveaux propulseurs capables de générer des piliers en l'espace d'un instant. Ah ouais, d'accord. Ok, pourquoi pas. Alors, les armes qu'on peut fabriquer, en général, sont très puissantes. Donc là, la tête, l'explosif sur le tronc. Le truc qui vient de lancer des piliers, pourquoi pas, et l'arc en os qui permet de transpercer les ennemis. Le problème, c'est que ces armes-là ne peuvent pas devenir des reliques. Du coup, c'est pas forcément si intéressant. L'ultra elixir, le don de régénération des berceaux n'est pas à prendre à la légère, et à dire que nous comprenons mieux le fonctionnement de leurs organismes pour servir à améliorer nos potions de santé. Ok, c'est les meilleures potions de santé. J'ai même pas fait gaffe qu'ils régénéraient. Peut-être que quand ils attaquaient, ils régénéraient, j'ai pas fait qu'ils touchaient les ennemis. De toute façon, on va terminer le fort dans 200 jours, on verra à ce moment-là. On va faire nos petits niveaux, ici on est level 4. Alors, tir à bout portant, tir à courte portée infligeant plus de dégâts, pourquoi pas, permet d'entendre les ennemis à 6 cases de distance. Ça peut être bien d'avoir un mec avec ça dans le groupe. Toi, la furie. En quelques tours, dégâts accrus à chaque coup reçu, ou alors rebond, l'armure repousse les attaquants de mêlée et obtient un bonus de protection. Ah, c'est bien ça. Prendre ça, tiens. Vu le nombre de bastonneurs réduits qu'on a, autant qu'ils tankent. Le tir de fiole, parfait. Ici, on va avoir le jet franc.
Très bien, il est sous, mais il a au moins pris un niveau. Hop. Allez, 200 jours et on va pouvoir passer, placer notre bastonneur à faire du pouponnage, comme on dit. Alors, fertilité moyenne pour lui. Non, pas toi. Donc du coup, toi, qu'est-ce que t'as de beau? Chétiflant, rebelle et nerveux. Trait de personnalité contraire à ceux des parents, du coup nerveux pourrait être intéressant. Bon, le chétif élan est quand même un peu chiant par contre. Donc ça c'est celui qu'on a eu en récompense de notre mission. Sinon il y a lui qu'on avait commencé à monter, pessimiste, craintif, loup solitaire. Il est pas mal lui. Bon, il y a le gain d'XP réduit, mais craintif c'est quand même très chiant, mais on peut espérer pas perdre trop de monde. Le problème c'est quand on commence à perdre du monde derrière, bah c'est la merde. Et au final c'est les deux seuls qu'on a. Donc je pense qu'on va mettre lui. Level 4, enfin cela dit lui est déjà level 4, il a 18 ans. Hein. Et vu avec son rebelle, on sait qu'ils vont avoir l'inverse de nerveux. Je pense qu'on va prendre lui. Et maintenant, il faut qu'on trouve quelqu'un à marier. On a 3 femmes disponibles, 25 ans, 39 ans, 48 ans, des ombres frappes ou des explomax. J'aime bien les explomax, ils ont des troncs explosifs. Myope et généreux, plus de chances d'avoir des enfants. Par contre, elle a nerveuse, il y en aura encore plus de chances d'avoir le truc. Ouais, on peut tenter. En espérant qu'ils transmettent le rebelle et plutôt que le nerveux. Sachant qu'on a aussi notre modèle qui a rebelle. Donc on a des chances quand même de pas avoir nerveux. Réduite, mais pas négligeable. Je pense qu'on va prendre la poignée stable. Parce qu'un peu plus de chance de toucher, ça devient quand même nécessaire là. Ici, on a 25% de réduction des recherches, ça fait plaisir. Ah, on a un partenaire qui est décédé. Je crois qu'on lui avait mis quelqu'un d'assez vieux, ouais, pour générer quelques artilleurs. Alors... 41 ans, on commence à être un peu en déj de héros là, ou c'est moi hein? Non, on a des gens jeunes aussi. Allez, on va mettre lui. Après tout, on l'a fait monter de niveau pour que... Eh mais non, mais je suis con, putain, c'est un mec aussi, pourquoi je l'ai... Oh là là, j'ai vu le aucune apparaître, et j'ai cliqué trop vite. Donc bon, bah ils auront pas d'enfant, tant pis. De toute façon, elle va bientôt mourir, donc c'est pas très grave. La boulette, voilà, on va aller un petit peu vite. Alors, Johan a quitté ce monde à l'âge de 60 ans. Et elle lègue division, qu'elle a monté niveau 2 quand même. Hein. Et là pour le coup, je pense qu'on pourrait la donner à Robert Forgerson qui vient juste d'avoir 15 ans. Qui a toutes les chances, il est chétif mais il est vif, rapide, vengeur et fidèle. Ouais, il sera digne de division. Moi je pense. Voilà, ok, donc voilà, ça corrige notre erreur. On va pouvoir mettre un nouveau Von Riva. Les papys vont couler mais pas de successeur. Normalement, il y a quand même moyen. Ok, il est stérile, donc on va faire gaffe. Stérile, stérile, très bien, il y a plein de stériles. On va prendre Alexandre, hein. Alors il est de l'avant-garde. Mais il a que 34 ans. Ça me paraît un choix intéressant. Par contre, il a tic-tac, ça me paraît un choix moins intéressant. Milicia, c'est elle qui est déprimée, ouais. Ça pourrait peut-être valoir le coup, du coup. Elle a 52 ans, mais bon, peut-être qu'elle pourra faire quelques enfants pour remplacer la truc. Ouais, faudra que je voie pour remettre des adoptions, mais là, j'avais même pas le temps de faire une adoption. Elle allait crever de toute façon. Enfin, ils allaient crever. C'est une boulette, hein, mais voilà. Alors, on pourrait faire des chasseurs. Non, c'est une femme. Ne fais pas le con, le signe. On pourrait prendre notre bastonneur, mais il est dans l'avant-garde. Ou alors on prend lui. Ah bah oui, il est de nouveau disponible lui. Bah, est-ce qu'après l'avoir marié avec le père, on le marie avec la fille? C'est pas du tout glauque! Allez go, on fait ça. Très bien, chance d'enfant très élevée, ça me va. Il y a 2 apprentis qui grandissent, donc le temps qu'elle décède, normalement. Ouais, non mais j'avoue là, Canton. Ok, ils ont déjà fait un enfant, comme quoi.
On a les poignées stables et ça, ça va faire du bien. Clairement du bien. Alors un fort supplémentaire. Non, c'est là, 25 ans, c'est trop long. Je pense pas que ça vaille le coup pour l'instant. On en est où niveau héros? Alors on en a quand même quelques-uns, suffisamment pour faire un pool de combat. Donc toi t'as division, donc tu vas prendre ton jet franc. Et salut Katox, bienvenue sur le live. Tout à fait, c'est un peu une affaire de famille, ouais. C'est des choses, voilà. Après tout, ça reste plausible, hein. Il a épousé le père, voilà, c'était pas le grand amour, il l'a empoisonné pour pouvoir épouser la fille après. Il n'y a pas vraiment de consanguinité puisqu'ils ont pas pu avoir d'enfants puisque c'était deux mecs. Du coup, il n'y a pas vraiment consanguinité quoi. Techniquement. alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Du coup, on a déjà deux objets donc ça va être compliqué d'en faire d'autres. Améliorer des armures, ça pourrait être pas mal. L'armure d'os. Une armure de bastonneur qui se renforce quand il prend des dégâts. J'aime assez l'idée. Alors est-ce que tu sais, Squash, peut-être, si les armures peuvent devenir des reliques? Et du coup on a aucun intérêt à faire ça parce que ça peut pas devenir de reliques. Ou est-ce que du coup à partir du moment où on a ces trucs là, bah ça c'est pas forcément dingue quoi. Après, peut-être que l'intérêt ça c'est de l'améliorer à fond alors que ça on peut en prendre qu'une et que voilà. Mais je me demande du coup. On pourra aussi commencer à améliorer notre armement hein. Ça peut être pas mal, ouais, ils utilisent des boyaux de chat, ouais. Actuellement, on utilise des boyaux de chat pour nos arbalètes. Chobiti qui est en panique à côté. Bah du coup, je vais prendre l'armure d'os, ou alors l'armure raffinée. Ça réduit le coût des armures raffinées supplémentaires. Ouais, on va peut-être partir sur l'armure raffinée pour les tanks. C'est parti. On prend quand même 12 ans de façon, petit bébé. Petit bébé, bon, ce qui est pas mal c'est qu'on a de la corruption nulle part, donc la prochaine, si là c'est attaqué, on y va. La corruption s'étend dans l'augurie, n'est pas bien accueillie par la populace, et les brandons de la colère ont été attisés par Chris Alienson, célèbre pour critiquer le calice, ce qui a provoqué des émeutes. La région étant chère au cœur de Matt Ferguson, votre héros s'est proposé d'y retourner pour tenter de calmer la peur. Alors, on peut les détruire de l'intérieur, on va essayer de l'envoyer. Il part sans armes. Ok. Bah, bonne chance, mec. Ok, bon, voilà, ça l'attaque. Donc là, clairement, on n'a pas le choix. Faut qu'on aille défendre ici, sinon on perd cette zone. En plus, ça va booster notre recherche. Bon, il reste un an, mais c'est toujours ça de prix. Ici, on aurait eu un alchimiste de sexe masculin de 25 ans. Bah, go. Alors. On va prendre... c'est qui qui a tic-tac déjà? C'est toi, t'as un petit truc. Division, ouais non, pardon. Tic-tac, c'est l'arbalète et elle est déjà là. Du coup, il nous faudrait un autre alchimiste, si possible. On a un chasseur également, deux chasseurs. Alchimiste. Ouais. Et du coup, c'est les alchimistes qui commencent à nous manquer, comme de fait. C'est parti. Alors par contre, armure... Carapace instable en équipe. Pareil pour toi. Toc, toc. En équipe. Et d'ailleurs, est-ce que je peux lui enlever? Je peux lui remettre un propulseur de base? Ouais, bon, c'est un peu con, mais on va bien sûr pas le faire. Ok, on a quand même des gens plutôt bien équipés. Toi, t'as un niveau à prendre. Non? Pourquoi il y a un petit plus 1 là? Ok, j'étais celui d'à côté, excusez-moi. 3, 3, 4, 4, 3. On commence à avoir une équipe potable avec des niveaux intéressants. J'ai même pas regardé ce qu'il y avait comme monstre. Ça, c'est une erreur. Ça, on commence déjà avec deux comme ça. On pourrait repousser mais c'est pas intéressant. Toi t'as pas assez de mouvement mais tu pourrais tenter une charge. Ah non, tu peux pas tenter une charge parce que de toute façon je peux pas te placer pour tenter une charge en termes de mouvement.
et c'est bien dommage. Donc toi tu vas servir à rien pour ce tour, ok. Ici on peut réussir à tirer sur lui. Ici pareil. Et c'est la même case. Ah mais ici ça marche aussi. Allez go. Alors 49, 54, ça se prend, ça se rate. On va avancer pour libérer la place pour les copains, tenter un tir ici. Oh mais non, mais faut pas se rater là, c'est pas possible de se rater sur des missions pareilles. C'est un coup à crever. Vous aurez l'air malin après. Et salut Xebus, bienvenue sur le live. Eh oui, mon calice est massive, je te montrerai après le combat si tu veux. À quel point mon calice est bien membré. Ok, on a quand même réussi à mettre des dégâts. On a raté nos deux trucs, mais on a quand même réussi à mettre de chaque côté, donc c'est pas si mal. Et comment vas-tu Xebus? La fourme? En ce dimanche fringant. Ok, on touche. Ça c'est cool. Ça va l'énerver, mais c'est la vie. Et toi tu vas venir devant. Ah, on prend les dégâts, on perd 150 d'XP, ça fait chier. Voilà, ça c'est fait. Donc là on n'a pas trop le choix, de toute façon faut avancer, donc avançons. On va prendre des risques, on voit qu'il y a quand même pas grand chose là. On va passer 100 ans à traîner. Oh, ne parle pas de fourme d'Amber, Canton, c'est terrible. C'est terrible comme, comme manière de torturer le streamer ça. Journée de travaux aujourd'hui, bah tu vois, je te remplace aux commandes des lives, pour la peine. Grâce à Squash Belge, qui nous trouve des petits jeux pépites à chaque fois. Et j'avoue que je prends vraiment beaucoup de plaisir sur Massive Calice, je trouve le concept vraiment sympathique. Là j'avance un petit peu agressivement avec lui, mais il est protégé de quasiment tout en étant là, donc ça va. Ouais, on va te faire avancer un peu toi. Ah, il y a un ennemi juste hors de portée. Alors de quel côté il va? Il fait rien, très bien. Donc là on peut avancer assez pour le taper. Là par contre j'ai l'impression que ça va être un peu loin. Donc on aura droit à un tir. C'est peu. Du coup on va attendre un peu. On va se contenter de se rapprocher. Ah putain, un tisseur. Non! Saloperie! Un plisseur, excusez-moi. Ah mince, il nous a vu et il a plus suffisamment avancé. Putain, alors, à force de perdre de l'XP, il va perdre ses niveaux. Hein. Bon, le plisseur se casse. Allez, allumez-le. Enfin là. Enfin. Je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà. Ça c'est fait. Alors on va se déployer un tout petit chouille pour commencer à éventuellement envisager d'allumer celui-là. Il a tellement de mouvement ce truc. Ok, il s'approche. Là on pourrait le charger. Ça c'est pas mal. Bon, pas beaucoup d'intérêt. Non, on fait pas beaucoup de dégâts. On pourrait l'attaquer et faire pas mal de dégâts quand même. Ça me paraît plutôt intéressant. On va le faire. Voilà, 25 de dégâts. Ça calme tout de suite. Hein. Ici on rajoute 6, 10, 9, 15. En avant à 75% de chance. Voilà. Ok. Propre. On a réussi à se le faire. On sait qu'il y a personne, donc on va courir avec eux. Enfin, lui il court, mais un peu encombré par son arbalète, on va dire. Ça fait 85 ans qu'on joue.
C'est pas gagné encore. Bon, cette zone-là, visiblement, on peut pas y aller. Ah, peut-être si, en faisant tout le tour. J'espère qu'ils ont pas flanqué les gens là-bas. Sinon, il y a une belle zone par ici aussi. Est-ce qu'on peut déplacer quelqu'un en mode furtif? Non, t'es coincé pour l'instant. On va te mettre toi là, par exemple. Toi là, tu vas te déplacer jusqu'ici en mode furtif. Ok, on a un manqué ici. Et pour l'instant, il nous voit pas. On va se placer là. Et ici. Et toi, tu continues de courir à ton pas de sénateur. Alors, des fois, c'est un peu compliqué de savoir si l'ennemi nous a repéré ou pas, quoi. Et le ennemi repéré, c'est que nous, on l'a repéré. Ou alors, des fois, il nous repère et après, il se tire, mais ça m'étonnerait. Alors, on va tenter un tir. Parce que j'ai peur, en courant là, de découvrir un autre ennemi planqué derrière. Genre, par exemple, ici, là où il y a la petite zone qui clignote, là. Donc on va se placer au cas où ce sera le cas. Éventuellement on enverra une fiole en mode YOLO on tente. Je me mets là. Ouais, je me mets là, c'est pas mal. Je me mets là. Ok, donc ça doit être le pouvoir là de lui là, qui permet de vous détecter les ennemis même derrière des obstacles. Aïe, ça c'est pas le bon plan ça. Surtout qu'on est un peu loin pour aller le taper là. Là de toute façon on n'a pas du tout le bon angle, hein. On est d'accord. On est trop loin pour aller taper. Là on pourra aller taper, après on est un peu exposé si on fait ça. On va le faire. Quand même 16 PV, puis ça va nous repousser un peu en plus. Alors là, l'épisode est beaucoup trop long. Donc je pense que, même si on est en plein combat, on va s'arrêter là pour cet épisode de VOD. Bien sûr, on reste en live. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à dire au revoir à la VOD dans le chat, hein, si vous le souhaitez. Et on va se retrouver pour un petit cliffhanger très très bientôt. Merci à toutes et à tous.